Je teste la combinaison d'un abonné, épisode bonus 26. Donc on commence avec la première combinaison proposée par Nirozika, donc merci à toi. Et on va se prendre Pitchett avec le quad nounours, les rollers et l'aile en papier. Donc je vous laisse voir les stats, c'est extrêmement bon. Et si je me trompe pas, c'est la méta du jeu. Parce que je crois que Pitchett a les mêmes stats que Yoshi et Birdo, qui sont les meilleurs persos. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus, c'est juste la meilleure combi du jeu. Donc voilà. Donc ouais, on va se faire une course et on va tester ça. Let's go. On démarre du coup avec le Temple Tomp. Voilà. Donc cette première combinaison qui est la méta du jeu, voilà, c'est à dire Pitchett quad nounours roller. Vraiment, ça c'est la méta et la grosse blague. Non mais c'est bon quoi. le back snipe là, ça y est. Ok, hop là, on va faire ça. Hop, petit snipe. Non, c'est pas passé. Et là non plus. C'est pas très grave. La blague, j'ai mal dosé, hein, évidemment. Ok. Je les ai déglingués, les pauvres. Ah ouais, ils ont rien vu. Ok, ouais, il y a un mec invisible là. J'ai vu. Oui, j'ai vu qu'il était invisible, oui. Ok. Super klaxon, ouais. Pas me servir à grand chose, hein, mais bon. C'est vraiment une blague. Ok, petit champi sur le sol, ça fait plaisir. Ouais, ça se passe pas trop bien là, je vous avoue. Malgré que, bah, que je joue la méta. Mais c'est le temps de. Je vous dis, là, c'est le temps de m'échauffer. Après, s'il se passe des trucs comme ça aussi, moi je peux pas y faire grand chose. Hein. Le mec il est là, il me pousse. C'est bon quoi. Ok, let's go. Ok, nice. C'est bon, ouais, j'ai eu le double. Je suis désolé, frérot. Non, je l'ai pas eu. Évidemment que je l'ai pas eu. Bon, j'utilise mon champi parce que là le bloops, non non non. Mais écoutez, je suis deuxième là pour le moment. Ok, let's go. Ok, ah mais non mais les carapaces elles flottent évidemment. Mais je viens de l'avoir là je crois. Hein. Bah bon écoutez, la course n'était pas hyper fameuse, mais j'ai quand même pu me rattraper en deuxième place. Donc ça va, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Et puis la combinaison, bah j'ai rien à dire dessus. C'est du méta. Et bah voilà, c'est complètement validé. Deuxième combinaison proposée par Pac-Man. Donc merci à toi. Et on va se prendre le roi bout avec le carte en or, les roues éponge et l'aile standard. Donc je laisse voir les stats. La combi est un petit peu lourde. Il y a quand même pas mal de vitesse. L'accélération c'est assez moyen. Maniabilité pareil. Et adhérence pareil. Donc voilà, le carte en or c'est un mauvais carte, mais les roues éponges, et ben ça rattrape un peu. Donc voilà, je pense que ça sera juste une combinaison moyenne honnêtement. Mais ouais, on va se faire une course et on va bien voir. Let's go. On enchaîne avec la montagne DK. Ça fait plaisir. Et donc cette deuxième combinaison, roi bout, carte en or et roue éponge. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que ça va être moyen, mais on va voir. Ok, let's go. Oh, ce circuit, ça fait plaisir. Hein. Comme je l'ai toujours dit, ça j'aimais pas dans Mario Kart Wii. Mario Kart double dash, je peux pas vous dire parce que j'ai pas joué. Mais ça, ouais, j'aimais pas dans Mario Kart Wii. Par contre, là dans Mario Kart 8, bah écoutez, ça va tout seul. Ok, nice. Ouh. Je sais pas d'où elle vient là cette carapace, mais ouais. Aïe aïe aïe. Elle est arrivée tôt celle-là. Enfin celui-là d'éclair, je veux dire. Ok. Je peux un peu rien y faire là. Enfin je pouvais un peu rien y faire. Ok. Ça va, franchement les mini turbos je galère pas à les charger. Si je fais ça. Je crois, il y a le masque qui s'est fait avoir, mais je sais pas si c'est moi ou pas. Je sais pas du tout si c'est moi. Il s'est fait avoir en plein air dans le canon, hein, mais... Bah moi, je vous jure, je sais pas si c'est moi ou pas.
Ok, let's go. Ok, nice. Let's go. Eh ben écoutez, pour le moment c'est un 2 sur 3. On est sur du perfect. Donc ça fait plaisir, ouais. Ok, let's go. Hop là. Eh ouais. C'est très calme, hein. Pourtant, j'ai vu, il y a un mec qui a le max de points, là, 99 000 et quelques. Et en plus, c'est un Français. Ok, ok, ok. Ça va. Ok. Non, c'est vraiment une blague. Aïe, aïe, aïe. Bah je me demande si c'est pas lui justement. Ok. Let's go. Eh bah écoutez, j'ai réussi à reprendre ma première place et de justesse quand même, hein. Mais écoutez, fallait pas niaiser avec moi. Ouais bah voilà, c'est lui en fait. C'est celui qui m'a dégommé avec sa rouge mais que j'ai redoublé. Donc celui qui est deuxième. Eh bah écoutez, voilà, ça fait plaisir. Une petite première place. La combi, franchement, est pas si mal. Voilà, je m'attendais à pire. Franchement, c'est pas si mal. Donc écoutez, je valide quand même. Troisième combinaison proposée par Bardo 3 Yoshi. Donc merci à toi. Et on va se prendre Pauline avec l'intrépide, les rollers azur et l'aile ilienne. Donc je laisse voir les stats. C'est un petit peu pareil que la combi d'avant. Il y a quand même assez de poids et assez de vitesse. Et puis toutes les autres stats sont moyennes. Donc voilà, je pense que ça devrait être une combinaison moyenne aussi. Mais bon, écoutez, on va se faire une course et on va bien voir. Let's go. On enchaîne avec la balle de berlinoise. C'est dommage, il y avait Athènes antique. Donc voilà, Athènes antique, ça fait un petit moment où je l'ai pas fait aussi, donc ouais voilà, j'aurais préféré. Mais écoutez, là on est avec cette troisième combinaison Pauline intrépide roller azur. Voilà, ça avait à peu près les mêmes stats que la combinaison d'avant là avec le roi bout, mais oh la blague. Attendez. J'ai envie de pleurer. J'ai fait exprès de ralentir là, puis de reculer pour avoir un double item pour enchaîner. Aïe aïe aïe. Mais c'est pas passé. Il y a quelqu'un qui me l'a volé juste devant moi, quoi. Mais ouais, en fait cette combinaison, voilà, elle a les mêmes stats à peu près que la combinaison d'avant. Mais comment dire, elle se manie quand même mieux. Ouais, elle se manie mieux. Les mini turbos sortent plus facilement. Donc voilà, pas de problème là. Ok. Ok, let's go. Aïe aïe aïe. Je peux pas trop prédire ça en vrai, hein. C'est compliqué, hein. Ok. On va tenter des petits snipes, hein. Ok, nice. Let's go. En deux fois. L'enflure. L'enflure. Aïe aïe aïe. Oh là là, ça c'était horrible par contre. Non mais c'est pas possible. Impossible. Ah ouais, un bilbal carrément. Ah ouais. Waouh. Ok, je me suis fait déglinguer là. Bah ouais. Déjà à cause du blue, j'ai foncé dans le mur. Après il y a la carapace bleue qui me renverse. Ensuite on me vole mon item. Et du coup j'en ai pas.
Bon, bref. Là, franchement, c'était... Ouh, route claire de lune. Oh, let's go. Attendez, vite, la prochaine course, là. Quatrième combinaison proposée par Xavier 2009P. Donc, merci à toi. Et on va se prendre Mario avec le destrier de légende, les roues boutons et l'aile Wario. Donc, je vais aller voir les stats. C'est assez équilibré, j'ai envie de vous dire. Même s'il y a un petit peu plus de vitesse et il n'y a pas beaucoup d'adhérence. Sinon, le reste, ça passe. Donc, voilà. Après, c'est une moto qui dérape de l'intérieur. Donc, là, je pense que ça va être ça, la grosse difficulté, honnêtement. Mais bon, écoutez, on va se faire une course dans tous les cas. Et puis, on va bien voir. Let's go. Et regardez sur quel circuit on est tombé. Oh là 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 là, c'est pas trop tôt. En plus j'ai eu trop peur parce qu'on a été que deux à choisir ça. Oh là là, j'ai intérêt à finir premier, je vous jure. Route claire de lune, let's go. Après tout ce temps d'attente, on a enfin le droit de jouer là-dessus. Voilà, pour ceux qui auront reconnu, là, ça sera la, ça sera ce circuit-là sur la miniature, hein, très clairement. Ah, mais je vous jure. Oh là là. Pip, 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 pip. Oh là là, ça fait plaisir. Puis cette musique est incroyable. Oh là là. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça couche du bloop, ça. Et du coup là on est avec cette combinaison Mario, destrier de légende, roue bouton. Oh là là la blague. C'est vraiment une grosse blague. Ok. Donc voilà. Moi pour moi ça n'a pas l'air d'être une combinaison hyper ouf. Après à voir. Hein. Faut pas juger un livre par sa couverture. Et faut attendre ce qu'il y a dedans. En voilà ce que je veux dire, c'est que. Faut pas juger juste à l'esthétique et attendre de jouer la combi quoi. Hop là. Let's go. Ah je vous jure je suis tellement heureux là. Je suis heureux. Ça ça juste ça. Je vous jure ça a refait ma journée. Mais vraiment. Écoutez, le mec devant on va le déglinguer. Toujours pas. Bah maintenant. Let's go. Oh j'ai failli me la prendre la voiture hein. C'est elle qui se prend la bleue en plus. En prime. Let's go. Et on se fait renverser pour le final. Ouh. Oh là là. Ça fait plaisir je vous jure. Oh là 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 là. Écoutez, première place, route claire de lune, je vous ai dit, là, on a tellement attendu pour ça, il fallait que je finisse premier, peu importe la combinaison, même si c'est la pire du jeu, je finis premier avec ça, oh là 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 là, je vous jure, je suis heureux, voilà, ça a refait ma journée, et puis écoutez, franchement, la combinaison est pas si mal, donc, ouais, bah écoutez, je vais valider aussi. Cinquième et dernière combinaison, proposée par Dorian Chauvier, donc merci à toi, et on va se prendre Skelerex avec la Nautomobile, il roule lisse, et la paravoile. Je laisse voir les stats, la combi est un peu lourde quand même, il y a pas mal de vitesse. L'accélération c'est moyen, l'adhérence pareil et il y a une bonne maniabilité malgré tout. Voilà, je pense que ça devrait pas être terrible, mais c'est les mini turbo qui vont poser problème là, je pense. Bon, écoutez, comme d'hab, on va se faire une course et on va voir ça. Let's go! Et on va terminer avec le circuit Mario. Il y avait la corniche champignon de la DS et puis le mont Ebouli de la 3DS. Donc, franchement, c'est vraiment dommage. Et un mec a mis aléatoire, c'est tombé là-dessus. Donc, bon, d'accord. Donc là on est avec cette dernière combinaison du coup. Ok. Oh. Je lui ai volé son item là. Non. Ouais. Ouais ouais ouais. Mais il est pas sérieux lui. Ok. Let's go. Donc ouais on est avec Skelerex Nautomobile Roulis. Donc la combinaison était je crois au niveau des stats c'était un peu lourd. Après. Oh là là. Ouais c'était impossible à éviter ça. Vu qu'on joue... Aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foncé dans le tuyau, mais Ok, bon. Ok, let's go, le snipe. Ouais, les stats laissaient un peu à désirer, mais... Waouh, et je pouvais rien faire, là. Franchement, hein. Mais vu qu'on joue Skelerex, qui est un perso léger, en vrai, ça va. Donc, voilà, c'est assez maniable. Les mini-turbos, j'ai pas de mal à les charger, donc... Donc voilà, j'ai pas de problème. Oh, c'est pas possible. Oh, je suis. Mais c'est pas sérieux là. Je suis tellement ému d'avoir fait la route claire de lune que là. Elle a eu une carapace verte.
En dernière place, sérieux là? Oh le seum qu'elle doit avoir. Mais ouais, je suis tellement ému d'avoir fait route claire de lune que j'arrive même plus à jouer en fait là. En fait, c'est ça. Let's go. Ah, je lui ai pas pris son étoile, dommage. Ok, let's go. Un max de vitesse. Papa, la parapa. Ok, let's go. Et là, je prends le plus de vitesse possible. Franchement, on peut pas faire mieux. Hein. Ok, nice. Ok, et ça va, je suis remonté quatrième quand même. Hein. Waouh, sachant que je me suis fait un peu déglinguer. Franchement, remonté quatrième avec tous les champis que j'ai eu et tout. Oh, franchement, ça va. Et puis, la combinaison, écoutez, franchement, c'est pas si mal non plus. Franchement, c'est même relativement bon. C'est pas du méta non plus, hein, faut pas abuser. Mais c'était quand même assez bon. Donc, écoutez, je valide aussi. Mais écoutez, voilà, c'est ce qui va conclure cet épisode. Je suis super content parce qu'on a fait la route claire de lune. Vous l'aurez vu, de toute façon, sur la miniature. Et je vous jure, je suis ému, c'est incroyable. Mais donc, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des combinaisons et puis de ma prestation générale. On continuera vos combinaisons la prochaine fois. Et puis écoutez, voilà, c'est ça qui est ça. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager. Ça me fera vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. C'est très important. Et donc voilà, donc sur ce, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Ciao.